Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et puis un petit partage, éventuellement si vous êtes chaud, ça peut pas faire de mal. Sinon, cet épisode est sponsorisé par Optik Unterlinden, magasin d'optique et accessoires astronomiques. On a vu, dans les précédentes vidéos, que la présence de la vie ailleurs dans l'univers n'a rien d'évidente. Mais on a vu aussi que les phénomènes qui permettent l'apparition de la vie ou sa complexification nous restent pour le moment assez obscurs, et donc que c'est difficile d'en tirer des conclusions. Non, excuse-moi, c'est Marcel. Vas-y, continue, ça m'intéresse. On a vu aussi qu'on peut extrapoler ce qui s'est passé sur Terre pour essayer de construire des hypothèses sur ce qui se passe ailleurs. Oui, enfin, essayer de généraliser à partir d'un seul exemple, c'est pas une très bonne idée, hein. Bah oui, peut-être que la Terre est une exception. C'est même une très mauvaise idée de généraliser. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a, et on va devoir s'en contenter. Est-ce qu'on est pour autant retourné au point de départ? Je dirais pas ça pour autant. Bon alors allons-y. Que sait-on actuellement, avec un minimum d'assurance, sur l'apparition de la vie sur Terre et son évolution? Alors, comment ça marche? Ça commence. Eh bien déjà, on sait que la vie a commencé par des organismes très simples, les prokaryotes. Pour résumer, des bactéries composées d'une seule cellule, sans noyau, mais quand même avec du matériel génétique. Et puis au fil du temps sont apparus les eucaryotes, des organismes vivants composés de cellules avec un noyau qui renferment l'essentiel du matériel génétique. Certains composés d'une seule cellule, mais très vite de plusieurs cellules. Les organismes vivants sont donc devenus multicellulaires, ce qui leur a permis, entre autres, d'être plus grands et plus évolués. Ainsi, les plantes et les animaux qui nous entourent sont des eucaryotes. Les humains aussi, bien sûr, sont des eucaryotes. Ce qui n'empêche pas certains, par ailleurs, de raisonner comme des bactéries. Mais c'est pas le sujet. Oula ! J'ai l'impression qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et qu'il est bon, hein ? Oui, enfin, tout cela pour dire que l'apparition de la vie, à notre connaissance, a commencé par des organismes simples qui ont ensuite évolué vers des organismes de plus en plus complexes. Il a fallu des milliards d'années. Alors, si la vie existe sur une autre planète, je veux bien qu'elle soit radicalement différente de la nôtre et qu'il n'y ait ni prokaryotes ni eucaryotes, mais quoi qu'il en soit, elle a dû commencer par des organismes simples qui sont devenus de plus en plus sophistiqués. Enfin, je veux dire, il est difficilement concevable qu'un organisme vivant dit « intelligent » tombe du ciel d'un seul coup. Aïe, ouïe, salut la compagnie. La sélection naturelle nous dit aussi que, pour qu'une espèce prospère, elle doit s'étendre, augmenter sa population et coloniser de nouveaux territoires. Pour qu'une espèce colonise une planète entière et développe une technologie avancée, il faut bien qu'elle ait une volonté de s'étendre. Et il n'y a pas de raison qu'elle change d'avis une fois arrivée au stade de la colonisation de l'espace. Une fois sa planète entièrement colonisée, cette espèce va commencer à zioter les planètes voisines, puis les étoiles voisines, puis la galaxie tout entière. Ok, alors faisons une hypothèse. Compte tenu de l'âge de notre galaxie, vous savez, la Voie lactée dont les premières étoiles sont nées il y a plus de 13 milliards d'années, compte tenu aussi des dernières statistiques scientifiques qui estiment à au moins une dizaine de milliards, oui, au moins une dizaine de milliards, le nombre de planètes dites habitables dans notre galaxie, alors si une civilisation a atteint notre niveau de développement il y a des milliers ou des millions d'années, elle devrait déjà avoir eu le temps de se répandre dans la galaxie. Ben voyons. Ben oui, ça paraît un peu fou, mais en fait, le temps nécessaire pour traverser la galaxie n'est pas si énorme que ça à l'échelle astronomique. Tenez, une sonde spatiale qui voyage seulement à un dixième de la vitesse de la lumière pourrait arriver jusqu'à nous en un million d'années. Donc une civilisation intelligente âgée de plusieurs milliards d'années devrait déjà être arrivée jusqu'à nous. Tu captes ? 5 sur 5. Très bien. Et encore pire, si le voyage supraluminique est possible, on pourrait même voir passer des voyageurs venus d'autres galaxies. Bah oui, parce que jusqu'à maintenant, en s'appuyant sur l'équation de Drake, on a seulement parlé de ce qui se passe ici. Enfin ici, je veux dire, dans notre galaxie. Eh oui, rappelez-vous, depuis le début de cette série, on se base sur l'équation de Drake, qui elle-même se base sur la Voie lactée, et la Voie lactée seulement. D'ailleurs, vous avez été nombreux à le faire remarquer en commentaire. Eh ben alors, ça tombe bien. Donc, s'il était possible de s'affranchir des limites de vitesse que semblent nous dicter les lois de la physique, et en particulier aller plus vite,
vite que la vitesse de la lumière, alors il serait possible de parcourir des millions d'années-lumière. Et dans ce cas, on pourrait étendre l'équation de Drake à l'univers tout entier. Résultat, le nombre de civilisations susceptibles de nous contacter serait considérable. Bah alors, elles sont où ? C'est bien le problème. Quand on observe le ciel, on ne voit rien venir, pas l'ombre d'une soucoupe volante, ni un signal extraterrestre. Vous allez me dire qu'on retombe sur le paradoxe de Fermi et qu'on tourne en rond. Alors, oui, on retombe sur le paradoxe de Fermi, mais on ne tourne pas en rond pour autant. Parce que maintenant qu'on a posé les bases avec les vidéos précédentes, je vais vous proposer l'hypothèse actuellement considérée comme la meilleure réponse au paradoxe de Fermi, et dont la conclusion... c'est que si on découvre de la vie ailleurs que sur Terre, ça serait une très, très mauvaise nouvelle. Alors, les statistiques nous disent qu'une civilisation aurait pu se développer avant la nôtre, et que, même si les chances sont très maigres, si c'est arrivé, cette civilisation devrait déjà se trouver partout dans la galaxie. Et pourtant, on voit rien. Il y a des dizaines de réponses au paradoxe de Fermi, certaines affirmant qu'on est dans un zoo galactique et que les autres civilisations se contentent de nous observer sans interagir avec nous. Mais il existe une réponse bien moins coûteuse en hypothèse et qui est aujourd'hui acceptée par la majeure partie de la communauté scientifique. Si on ne constate pas la présence d'une civilisation galactique alors que la vie peut apparaître ailleurs, c'est que quelque chose empêche la vie de s'étendre au niveau galactique. Je vois. Tu veux nous parler du grand filtre. Le grand quoi ? Le grand filtre, c'est un concept qui a été développé par Robin Hanson, un chercheur américain. En résumé, le grand filtre, c'est un obstacle ou un danger qui est si fréquent et si mortel qu'aucune espèce vivante n'a réussi à le surmonter jusqu'à présent. Et du coup, eh bien, ce grand filtre a éliminé la totalité des civilisations qui ont tenté de prospérer à l'échelle de la galaxie. Ça fait peur, hein ? Attends. On va développer. D'abord, vous devez savoir qu'il y a deux possibilités. L'une très avantageuse, l'autre où vous pouvez tout de suite booker la fin du monde sur votre agenda. Laquelle nous attend ? Ça, eh bien, ça dépend de la nature du grand filtre. Et vous vous doutez bien que, pour pimenter le jeu, la nature du grand filtre, eh bien, on l'ignore. On a vu jusqu'à maintenant que le développement d'une vie intelligente sur Terre n'allait pas de soi. Entre le fait qu'il fallait la bonne planète autour de la bonne étoile, plusieurs milliards d'années où on nous fout la paix et que la vie passe quand même au travers des différentes catastrophes à l'échelle planétaire, c'était pas gagné. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était pas gagné. Des obstacles, on en a rencontré un paquet sur Terre. D'abord, la faible probabilité de voir apparaître la vie, et encore plus une forme de vie intelligente. On a connu aussi des pluies d'astéroïdes, des glaciations, des éruptions massives, des pandémies. Bref, tout cela, c'est ce que l'on appelle des filtres. Et toutes les planètes connaissent plus ou moins ce genre de filtres. Certaines, comme la Terre, ont réussi à tirer leur épingle du jeu, au moins jusqu'à présent, alors que pour d'autres planètes, la vie n'est jamais apparue, ou peut-être a-t-elle déjà disparu. Nous, sur Terre, on a réussi à surmonter bon nombre de ces filtres, mais a-t-on vraiment franchi le grand filtre, ou le grand filtre est-il devant nous ? On en a déjà beaucoup parlé, mais j'ai envie de vous refaire une liste non exhaustive des filtres par lesquels on est d'ores et déjà passé, juste histoire que vous gardiez en tête la chance insolente qu'on a eue. Se retrouver dans une galaxie suffisamment vieille pour ne pas se faire arroser constamment de supernovae. Se trouver dans une zone calme sans trop de radiation. Mais se trouver quand même dans une zone avec plein d'éléments lourds pour pouvoir avoir une chimie complexe. Que la galaxie ne clame pas avant qu'on ait eu le temps de se développer. Qu'on y ait une orbite stable pour pas aller valdinguer dans une zone dangereuse. Que notre étoile soit d'une séquence minoritaire où l'étoile vit longtemps mais sans être une naine rouge qui irradie trop. Que notre étoile ne soit pas variable. Qu'elle soit isolée pour que ses voisines viennent pas foutre le dawa. Que notre planète se trouve dans la zone habitable. Que son orbite ne soit pas trop excentrique pour ne pas en sortir. Mais que même là, elle y reste au fil des milliards d'années et de l'évolution de son étoile. Avoir une géante gazeuse suffisamment grosse pour nettoyer les environs des astéroïdes dangereux. Mais pas trop grosse pour ne pas s'allumer en étoile et foutre le dawa. Avoir une grosse lune pour stabiliser l'orbite de la planète et enrichir son noyau en fer pour avoir un champ magnétique solide. Mais qu'aucun autre planétoïde ne soit venu s'écraser depuis. Avoir une tectonique des plaques et un volcanisme qui permettent le rejet d'éléments utiles à la vie et à la création d'une atmosphère. Mais pas trop quand même pour qu'une croûte stable se forme. Que la planète ne soit pas trop massive ou son atmosphère trop dense pour voir apparaître la vie. Ou que la planète soit trop peu massive et laisse son atmosphère s'échapper dans l'espace ou que son cœur s'éteigne trop vite pour garder un champ magnétique. Ne pas avoir de verrouillage gravitationnel. Voir la vie apparaître. Éviter les événements cosmiques qui stériliseraient la planète. Voir l'arrivée des procaryotes.
puis de la photosynthèse, puis des eucaryotes, puis des êtres multicellulaires, voir la quantité d'oxygène dans l'air augmenter jusqu'à permettre la vie aérobie, la reproduction sexuée, la vie hors de l'eau, puis la vie intelligente, que les êtres intelligents créent des groupes sociaux, créent des outils, ainsi que le langage, domestiquent le feu, inventent l'agriculture, l'écriture, passent les âges des métaux, créent des lois, l'éducation ou encore la philosophie, pour enfin arriver à la science et la volonté d'aller dans l'espace. Oubliez de remplir une seule de ces conditions et l'humanité telle que vous la connaissez n'existe pas. Ça fait beaucoup de filtres. Beaucoup de fois où ça a marché pour nous et potentiellement merdé ailleurs. Même si on est d'accord qu'il est peut-être possible de se démerder sans certaines de ces conditions. Mais ça on n'en sait rien. Waouh, bel inventaire, pas mal, hein? Je dirais même que c'est un exposé brillant. Ouais. Le tout avec humour et rigueur scientifique. Ouais. Comment il s'appelle déjà ce garçon? Astronogeek. Excusez-la. Donc, première possibilité, parmi tous ces filtres se trouve le grand filtre. Mais lequel est-il? Eh bien, parmi les candidats au grand filtre, on évoque souvent le passage des cellules les plus simples, les prokaryotes, aux cellules les plus complexes, les eucaryotes. Bah oui, ça a pris beaucoup de temps, plus d'un milliard d'années. Donc, il fallait des conditions et un environnement idéal, voire improbable. Donc peut-être que nous sommes les seuls eucaryotes de la galaxie. Mais il y a un autre événement qui postule pour le titre de grand filtre, c'est l'apparition d'une vie intelligente. Or sur Terre, je l'ai déjà expliqué, on est les seuls êtres intelligents. Vous allez me dire qu'il y a aussi les grands singes, les corvidés, les dauphins, mais depuis le temps qu'ils existent, on est les seuls à avoir domestiqué le feu, créé l'agriculture et inventé les smartphones. Et comme les dauphins sont encore très loin de construire une station spatiale, on va se considérer seul. Eh, pourtant, quand on regarde un être humain, c'est pas très bien fichu comme animal. Pas de poils pour se protéger du froid. Enfin, je veux dire, pas de poils naturels. Pas de griffes pour se défendre contre des animaux sauvages. Hormis quelques spécimens. En plus, on ne court pas très vite, on n'est pas très doué pour grimper aux arbres. Et puis franchement, on n'est pas bien costaud, surtout face à un ours, un lion ou un buffle. À la rigueur, face à un kangourou, je dis pas. Mais ce qui peut nous sauver et nous permettre de contrôler les pires situations, c'est notre intelligence, sacrée évolution du cerveau humain. À condition quand même de bien l'utiliser et à bon escient. Mais bon, on peut considérer quand même que c'est un filtre très important que nous avons déjà franchi. Mais pour passer des chasseurs-cueilleurs armés de silex et vulnérables au froid, à la famine ou aux prédateurs, aux astronautes, il nous a fallu 200 000 ans. Et encore, si on larguait certains représentants actuels du genre Homo à poil en forêt, je suis même pas sûr qu'ils en reviendraient au silex. Donc, être intelligent n'assure pas l'arrivée jusqu'au stade de la civilisation. Et là encore, repenser aux animaux dits intelligents, mais qui n'ont franchi que la première de nos étapes à nous, à savoir l'usage d'outils. Donc peut-être bien que l'intelligence, c'est pas si ouf que ça pour la survie, et qu'on a de la chance d'avoir su tirer notre épingle du jeu. Donc ça, c'était la première possibilité, on a déjà passé le grand filtre. Ouf, ça c'est fait. Attends, c'est pas fini. Il y a une autre possibilité, c'est qu'aucun de ces filtres ne soit le grand filtre et que sur plein d'autres planètes, des civilisations ont déjà atteint notre stade de développement ou plus, mais que toutes ont disparu pour une raison qu'on ignore, mais qu'on découvrira quand ce sera notre tour. Ce qui voudrait dire ? Ce qui voudrait dire que le grand filtre est quelque chose de bien pire que tout ce que nous avons déjà traversé. Que ce soit les chutes d'astéroïdes, les glaciations, les éruptions massives ou les pandémies, aussi terribles que ce soit, eh bien pour le moment on y a survécu. Et si demain un cataclysme nous renvoie à l'âge de pierre après avoir éliminé 90% de la population, vous savez, à l'échelle de la vie sur Terre, c'est pas si grave. Pas si grave, quand même. Ah, qu'on se comprenne bien. Évidemment, ce serait un cataclysme. Mais 10% de la population, c'est assez pour reconstruire la société et la technologie, même s'il faut pour cela 200 ou 300 ans. 300 ans à l'échelle galactique, c'est rien du tout pour se remettre d'une catastrophe. Donc même ce cataclysme ne serait pas le grand filtre. Ce qui signifierait que le grand filtre est encore devant nous, et il doit être si dangereux et si inévitable
qu'il a déjà détruit toutes les civilisations en passe de coloniser la galaxie durant les milliards d'années qui ont précédé notre existence, sans que jamais aucune n'en réchappe. Arrête, tu me fais peur. Du calme, c'est juste une hypothèse, un cas de figure. Écoute la suite. Une hypothèse pessimiste, c'est qu'une fois qu'une espèce prend le contrôle de sa planète comme nous le faisons, elle avance inéluctablement vers sa propre destruction. Ça pourrait être à cause d'une technologie tellement évidente que tout le monde finit par la découvrir, et tellement dangereuse que tout le monde finit par se tuer avec, comme un gamin qui trouve le flingue de son père. Les hypothèses les plus souvent avancées sont la guerre nucléaire, l'intelligence artificielle ou un virus génétiquement modifié qui échappe à tout contrôle. Rien que là, on a déjà le pitch de pas mal de scénarios hollywoodiens. On peut encore citer la découverte d'une source d'énergie qui pourrait détruire la planète. Mais j'ai déjà expliqué pourquoi certaines de ces hypothèses revêtent une certaine faiblesse. D'abord, la guerre nucléaire, bon, on a vu que ça n'éradique pas tout le monde. Ensuite, si une IA prend le contrôle de la Terre et tue les hommes, alors c'est pas un grand filtre. Parce que c'est au tour de l'IA d'évoluer et de coloniser l'univers. Or, aucune armée de robots n'est encore venue vous sucer le cerveau. Le virus, c'est compliqué aussi, pas impossible, mais compliqué. Parce que les virus sont quand même vachement spécialisés. Un virus qui tue tout, c'est assez peu probable, génétiquement parlant. Quant à la source d'énergie qui détruit la planète, si on décide de pas chier sur les lois de la thermodynamique, on comprend vite que pour déployer une énergie capable de pulvériser la Terre, il faut d'abord l'attirer de quelque part. Par exemple, pour créer un trou noir en labo qui, en se dissipant par rayonnement Hawking, raserait la Terre dans une gigantesque émission de rayonnement gamma, il faut d'abord concentrer en un seul endroit toute l'énergie nécessaire pour raser la Terre dans un gigantesque rayonnement gamma. Et pour créer un trou noir capable d'avaler la Terre, alors là, il faut carrément compacter la Terre entière dans un dé à coudre, avant même d'avoir un trou noir capable d'avaler la Terre. Donc je le redis, pour créer une forme d'énergie capable de détruire la Terre, il faut d'abord extraire cette énergie de quelque part. Or, cette quantité d'énergie n'existe juste pas sur Terre. Mais quand bien même, imaginons que le grand filtre soit causé par une technologie mal utilisée ou mal contrôlée. À la vitesse actuelle du développement technologique, ça voudrait dire qu'on est sans doute plus proche de notre anéantissement que des débuts de l'humanité. Toujours aussi gai. Quoi qu'il en soit, le grand filtre, c'est forcément quelque chose impossible à anticiper. Bah oui, parce que si on peut l'anticiper, eh ben on peut s'en protéger, et donc l'éviter. Et dans ce cas-là, eh ben c'est plus le grand filtre. Sinon, on serait vraiment débile. C'est drôle, ça me fait penser au réchauffement climatique. Bon après, le grand filtre n'est peut-être pas l'annihilation systématique des espèces intelligentes. C'est peut-être juste que les civilisations avancées perdent la volonté de coloniser l'espace. Mais c'est difficile de comprendre pourquoi, parce que si on cherche la survie en tant qu'espèce, on a envie de survivre même après la mort de son étoile. Une autre hypothèse avancée, c'est qu'une fois tout le savoir de l'univers acquis, une civilisation avancée découvre que la vie n'a ni but ni sens et décide de mettre fin à la sienne. Sauf que bon, moi je sais déjà que la vie n'a ni but ni sens et la seule chose qu'on peut faire ici-bas, c'est en profiter un maximum avant qu'elle se termine. C'est pas pour autant que j'ai envie de l'abréger. Ah bah ça tombe bien parce qu'on n'a pas fini la vidéo. Quoi qu'il en soit, si l'on découvrait les traces de civilisations intelligentes et technologiquement avancées sur d'autres planètes, ce serait une très mauvaise nouvelle pour nous. Et pourquoi ? Ah bah oui, si on trouve des formes de vie complexes et évoluées ailleurs, ça signifierait qu'elles ont franchi, comme nous, des étapes compliquées et que donc le grand filtre ne serait pas derrière, mais plutôt devant nous. Vu comme ça, c'est pas idiot. Merci. Trouver des prokaryotes, ça serait pas trop grave, puisqu'on a de bonnes raisons de croire que la vie simple apparaît facilement. Ça ferait que confirmer nos hypothèses. Mais trouver des eucaryotes, ça serait sacrément plus moche, parce qu'on a vu qu'on pense que c'est plus difficile d'en voir apparaître. S'il s'avère qu'ils sont communs ailleurs dans l'univers, c'est qu'on s'est gouré, et qu'on n'est pas si exceptionnel que ça. Et alors, les animaux complexes ou de la vie intelligente, là, en termes de proba, je vous raconte même pas comment c'est moche. Et si on trouve carrément les ruines d'une civilisation extraterrestre, là... On n'a plus que nos yeux pour pleurer. Bah pas forcément. Découvrir les restes d'une civilisation pourrait aussi nous permettre de comprendre comment elle a disparu et peut-être du coup éviter le grand filtre. Bonne idée. Ouais mais bon, faudrait déjà trouver une ruine de civilisation, hein. Finalement,
on finirait presque par espérer ne jamais trouver de vie ailleurs. Ce qui voudrait dire non seulement que nous sommes incroyablement chanceux, mais aussi que nous sommes les premiers ou parmi les premiers dans notre galaxie à pouvoir poser les bases d'une civilisation interstellaire. Waouh, la classe! L'univers est aussi très jeune au regard de ce qui peut encore se passer. À la naissance de la Voie lactée, la vie n'est sûrement pas apparue à cause de toutes les supernovées qui y explosaient. Et peut-être aussi que l'univers est moins hostile depuis seulement quelques milliards d'années, et qu'avant c'était invivable. Peut-être qu'on est les premiers ou parmi les premiers, mais que dans 10 milliards d'années, l'univers sera grouillant de vie. Ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que la très ancienne civilisation extraterrestre née aux âges sombres de l'univers des œuvres de SF, eh ben c'est nous. Génial, moi je vais être Hélène Ripley. Prums pour Dark Vador. Et ça voudrait dire aussi que si, dans un lointain futur, nous rencontrons d'autres civilisations, c'est nous qui serons les plus avancés, ce qui nous placerait dans une situation à la fois très confortable et un peu triste aussi. Bah oui, fini le rêve de la technologie alien super avancée. C'est nous qui apporterions notre technologie aux autres. Ah, même nos centrales nucléaires ? Ah, on n'en est pas là. Mais bon, c'est quand même rassurant parce que les scénarios hollywoodiens qui mettent en scène des invasions extraterrestres sur Terre, terminés. Du coup, ça se passera à l'inverse. C'est nous qui partirions à la conquête de nouveaux mondes. En espérant après qu'on ne se comporte pas comme des barbares. Mais bon, je crois que je m'égare un peu. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue. La vie est peut-être apparue ailleurs, mais s'il n'y a pas de civilisation galactique, c'est pas forcément que la vie a été détruite au passage. On n'a jamais été aussi proche d'une théorie du tout. Il nous reste encore beaucoup à découvrir. Mais les résultats expérimentaux qu'on obtient semblent dire que ce qu'on sait aujourd'hui est plutôt vrai. C'est un peu comme Newton et Einstein. Einstein n'a pas fondamentalement contredit Newton. Il a apporté des précisions. Celui qui viendra après Einstein ne le contredira sûrement pas fondamentalement non plus, vu qu'on constate encore régulièrement, expérimentalement, que la relativité générale, ça marche. Hashtag onde gravitationnelle. Et donc, vu qu'on est quand même plutôt avancé, et pourtant loin de pouvoir courber l'espace-temps, c'est peut-être juste que c'est impossible avec nos ressources en énergie. S'il faut l'énergie de toute une étoile pour faire voyager un vaisseau plus vite que la lumière, c'est mort. Si les trous de ver, ça marche pas, les voyages intersidéraux ultra rapides, c'est mort. Et si on était capable dans le futur de coloniser le système solaire, mais qu'aller plus loin était physiquement impossible ou très très dur au point qu'on n'ait jamais assez d'énergie. Si le voyage plus vite que la lumière est impossible, et franchement ça a l'air d'être le cas, il peut très bien exister des civilisations ailleurs, mais coincées autour de leur étoile, ou dans le meilleur des cas autour des étoiles voisines. Ce qui rend le voyage supraluminique encore plus improbable qu'il ne l'est déjà, c'est que jusqu'à maintenant avec notre raisonnement, on ne s'est pas aventuré plus loin que la Voie lactée. Mais le voyage supraluminique permet à des civilisations venues d'autres galaxies de nous visiter. Et si vous avez en tête l'équation de Drake, ça revient à mettre l'infini sur la première variable. Autrement dit, on devrait avoir rencontré une infinité de civilisations. Or, c'est pas le cas. C'est un peu la même chose que le paradoxe du voyage dans le temps. Si le voyage dans le temps sera possible un jour, où sont les voyageurs venus de toutes les époques du futur possibles et inimaginables ? Pareil pour les autres dimensions ou réalités. Si elles existent, alors les chances qu'une civilisation très avancée s'y développe sont infinies, et les chances qu'elle vienne nous visiter, aussi. Sans compter les chances que dans l'eau, il y en ait au moins un qui décide de se montrer au grand jour avec zéro discrétion. Donc le fait que personne, à part les charlatans dans les crop circles, ne les ait vus, veut dire que soit le voyage entre les univers est impossible, soit simplement qu'il n'y a pas d'autre univers que le nôtre. En parallèle, vu comme la transmission radio est une technologie récente, la probabilité qu'on trouve une autre manière de communiquer ou des fréquences tellement élevées qu'on ne les utilise pas encore est grande et pourrait expliquer qu'on ne pourrait capter que des civilisations de notre niveau technologique, ce qui est plutôt limité. Si on suppose que dans 200 ans, on découvre un truc incroyablement plus efficace que la radio au point d'abandonner cette technologie, ça voudra dire qu'on aura émis 300 ans par radio. Si d'autres font pareil, 300 ans à l'échelle de la galaxie, c'est peanuts. Donc c'est quasi impossible de les capter. Et si le voyage plus vite que la lumière est impossible, l'intérêt de communiquer avec d'autres civilisations est limité. S'il faut ne serait-ce que 200 ans pour avoir une réponse, on n'est pas sorti. La triste réalité est peut-être là. La vie est non seulement très rare dans l'univers, mais quand elle existe, elle est limitée par les lois de la physique à demeurer près de son étoile.
Alors bien sûr, on peut imaginer que cette vie arrive à émigrer jusqu'à une étoile voisine quand la première meurt. Mais pour ça, vu les quantités de ressources nécessaires, il faut sûrement au moins passer par la case post-humanisme qui, elle, ne viole aucune loi de la physique et qui permettrait de vivre peinard sur Mars ou ailleurs sans être obligé de terraformer une nouvelle planète. Ça va un peu vite pour moi, là. Bon bah par exemple, ça veut dire que si on arrivait à implanter nos consciences dans des robots, la colonisation de l'espace deviendrait plus facile. Voir épisode 3 de la série. Dis donc Fred, ta petite voix à toi elle est encore plus dissipée que la mienne. Faut regarder les vidéos dans l'ordre, hein, sinon tu comprendras rien. Eh oh, ça va, hein. T'inquiète la petite voix, moi je te soutiens, parce que entre petites voix, il faut se serrer les coudes. Ah bah ça c'est gentil. N'oublions pas le gigantesque des distances à l'échelle galactique, sachant que pour le moment, on n'a fait que 300 000 km pour aller sur la Lune et qu'on galère à aller sur Mars ou Vénus. Visiter notre étoile, ça va rester compliqué pendant encore très longtemps. Pas impossible, mais franchement chaud. Quant aux habitants des autres galaxies, on ne saura jamais rien d'eux. La galaxie la plus proche, Andromède, est à 2,5 millions d'années-lumière de nous, vous imaginez ? Avec un délai de 2,5 millions d'années, c'est pas facile de dialoguer. Allô, il y a quelqu'un ? Et si on va encore plus loin, au-delà du groupe local de galaxies qui nous entoure, c'est-à-dire à plus de 5 millions d'années-lumière, les galaxies s'éloignent tellement vite, à cause de l'expansion de l'univers, que les joindre est tout simplement impossible. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, on ne les atteindra jamais. Pour résumer cette série de vidéos, nous n'avons pour l'heure aucune preuve tangible de l'existence de vie ailleurs que sur Terre. Quoi qu'il en soit, l'absence d'observation de vie ailleurs dans l'univers nous renseigne un peu quand même sur la validité ou non de nos théories et ce qui est plausible ou complètement fantaisiste. Si l'apparition de la vie ailleurs est peut-être facile, l'apparition de la vie complexe ou de la vie intelligente l'est beaucoup moins. On ignore si on est très chanceux d'être arrivé jusque-là ou si c'est commun et que notre fin nous attend dans un siècle ou deux, voire avant. On aurait tendance à dire qu'on est chanceux, mais ça n'écarte en rien la possibilité qu'on disparaisse avant d'avoir colonisé ne serait-ce que la Lune ou Mars. Néanmoins, les raisons qu'on aurait de disparaître à court terme sont toutes très pessimistes et on peut se hasarder à supposer qu'elles n'arriveront pas, ce qui pourrait faire de nous la première ou une des premières civilisations à grande échelle. Mais ce qui pourrait nous bloquer de manière irréversible, c'est avant tout les lois de la physique. Les trous de ver et le voyage supraluminique sont des curiosités mathématiques qui ne trouvent aucune confirmation dans l'univers observable et expérimentable. Pour le moment. Donc même si nous ne sommes pas condamnés à courte échéance et si nous pouvons atteindre un degré d'avancement technologique encore difficile à anticiper, nous pourrions quand même nous retrouver bloqués dans le système solaire, ou à peine plus loin. Peut-être que le jour où la vie sur Terre s'éteindra, ce sera la fin de la vie tout court dans la galaxie. Et peut-être que l'humanité n'aura même pas survécu jusque-là pour le voir. Si tel est le cas, c'est à nous de devenir la première civilisation avancée pour coloniser la Voie lactée et y faire prospérer la vie jusqu'à la mort de l'univers. Car c'est peut-être possible, et faut essayer tant qu'on n'aura pas la certitude que ça ne l'est pas. Et si nous sommes effectivement les premiers à avoir bâti une civilisation et que les lois de la physique ne nous en empêchent pas, nous pourrions devenir la première civilisation à l'échelle galactique et régner sur l'univers pendant des milliards d'années. Mais c'est pas gagné. C'est normal d'être angoissé par la perspective d'être seul dans l'univers. Mais ça ne sert à rien d'essayer de se rassurer avec des histoires d'ovnis. Une vérité crue est préférable à un mensonge qui rassure. Parce que pendant qu'on ne se berce pas d'illusions, on peut continuer à avancer vers la vraie connaissance. Si on se recroqueville dans une croyance rassurante, la vie peut sembler être moins terrible, mais on est condamné à errer dans une société obscurantiste qui ne fera jamais de vrais progrès scientifiques ou philosophiques. Vous croyez être guéri du cancer avec des bovis ? Mais vous claquez un mois plus tard. Vous croyez parler avec vos grands-parents décédés, mais vous ne faites que filer des thunes à un charlatan. Vous croyez avoir rencontré des extraterrestres, mais vous n'avez vu qu'un nuage lenticulaire. Je préfère le monde froid et dur dans lequel je vis. Parce que dans ce monde-là, il existe des lois de la physique qui peuvent être découvertes, comprises et interprétées pour fabriquer des IRM pour détecter le cancer et des molécules pour le soigner. Vraiment. Dans ce monde-là, j'ai certes perdu des êtres chers que je ne reverrai jamais, mais je peux aussi garder espoir que ceux qui sont encore en vie puissent le rester encore longtemps grâce au progrès de la médecine et de la technologie. Dans ce monde-là, je n'ai rencontré aucune civilisation extraterrestre super évoluée, mais je peux me dire qu'avec suffisamment de travail, c'est mon espèce qui ira à la rencontre des autres dans quelques siècles. Donc mieux vaut continuer à chercher sur la base de ce qu'on sait vraiment. Et qui sait, un jour peut-être, dans un lointain futur,
une civilisation extraterrestre fera les gros titres de ses journaux parce qu'ils auront aperçu nos vaisseaux venus les découvrir. Eh bien voilà, je crois qu'il a tout dit. Donc en attendant que ça arrive, levez les yeux au ciel, soyez astronomiques et... À la revoyure ! Et bien entendu, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne YouTube de Fred. Je sais que je suis carrément pas le seul à déplorer la déprogrammation de ces pas sorciers, donc l'esprit sorcier, ça risquerait de vous plaire. Allez, à la revoyure. Excuse-moi. Oui. Voilà, je voulais juste te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais et en tant que petite voix de C'est pas sorcier, tu m'as beaucoup influencé en tant que petite voix d'astronogeek. Ah bah c'est flatteur, merci. Ouais, voilà. Est-ce que ça serait possible de te demander un autographe? Mais bien sûr, avec plaisir. Si c'est pas abusé, on peut aussi faire un petit selfie? Oui, si tu veux. Mais on est des voix off. Tu vas rien voir à l'image. Merci. Alors, attends. C'est un nouveau téléphone. Alors, je galère un peu avec le... Ah, voilà. Ah, non, attends. Faut que je retourne le... Voilà. Attends, je la refais juste. Elle est floue. Ah, voilà, c'est bon. Super. Merci beaucoup. Hein. Mon cousin va en être vert de jalousie. Tu l'as peut-être déjà entendu, c'est lui qui annonce les retards à la gare de l'Est. Bon, c'est bon, là, t'as eu ton autographe, faut lui la paix maintenant. On a du boulot, il y a encore le sponsor à placer. Oh, quel rabat-joie celui-là. Bon, merci et au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Il est pas un peu lourd parfois, Arnaud, parce que moi, avec Fred, tu vois ce que je veux dire. Bon, j'espère que cette vidéo, et d'ailleurs que cette série de vidéos vous a plu. L'épisode d'aujourd'hui est donc sponsorisé par Optique Unterlinden. C'est un magasin d'optique astronomique, mais aussi de tout ce qui va avec. Vous pouvez visiter leur magasin en ligne, ou pour ceux que ça arrange, vous rendre sur place à Colmar en Alsace. Ils font pas que vendre du matos, hein. Ils ont aussi un SAV très performant, et pour cause, sur du matériel aussi précis qu'un télescope ou une monture, vaut mieux pas avoir affaire à des branques. Et leur atelier est l'un des plus performants d'Europe. Ça se pose là. Optique Unterlinden, je vous en ai déjà parlé parce que je leur avais proposé d'être sponsor de la chaîne l'année dernière. Récemment, ils m'ont demandé s'ils pouvaient de nouveau sponsoriser une vidéo, alors bon, bah, vous pensez bien que j'ai dit oui. Parce qu'étant moi-même client chez eux, j'ai aucun problème à vous dire que j'ai aucune raison d'aller voir ailleurs. Optique Unterlinden est bien achalandé, les prix sont ceux du marché, et c'est très facile d'avoir un interlocuteur si on a la moindre question. Mais bon, ne me croyez pas sur parole. Allez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Sur ce, à la revoyure.